Shangilia vizuri Bwana. Shangilia vizuri Bwana. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous encore ce soir. Tu peux bien l'acclamer. Nous sommes en train d'acclamer les rois des rois, les ressuscités. Celui qui est sorti du tombeau. C'est celui-là que nous acclamons. Amen. Amen. Nous disons shalom à tout le monde. Nasema amani kwa Bwana. Tu peux m'aider à accueillir la personne qui est en face de toi. Kunisaidia kumkaribisha aliye pembeni yako. Tu lui dis shalom. Mwambie amani ya Bwana. La paix de Dieu est en ces lieux. Bwana iko mahali hapa. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Tunabariki jina la Bwana. Pour la grâce qu'il nous accorde. Kwa neema ambayo anatupatia. De nous tenir au devant de vous. Ili tuweze kusimama mbele yenu. Nous disons merci à papa et maman. Tunasema asante kwa baba na mama. Pour la marque de confiance qu'ils nous ont accordée. Kwa hiyo hali ambayo wametupatia ya tumaini. Et à vous tous qui êtes là. Na kwa nyinyi wote ambao mliko hapa. Nous disons merci. Tunasema asante. Et sans plus tarder. Na bila kukawia. Nous allons passer à l'essentiel. Tutapita kwa yaliyo muhimu. Nous sommes toujours dans ce deuxième grand chapitre. Tunakuwa katika mada kubwa hii ya pili. Qui est en train de nous parler des voies. Ambayo kuna tuzungumuzia juu ya njia. Les voies, les moyens. Njia. Pour réussir. Ili tuweze kufaulu. Réussir d'une manière durable. Tuweze kufaulu kwa kimu. Avec notre Dieu. Pamoja na Mungu wetu. Pendant ces deux derniers jours. Katika siku ambazo zimepita, l'homme de Dieu, le pasteur Amos, mutu wa Mungu, pasteur Amos, nous avait entretenu dans le thème qui nous dit, ametufunza katika mada ambayo inasema, réussir en secret, kufaulu kwa siri, avant de réussir en public, mbele ya kufaulu kati ya umati wa watu. Et j'ai retenu un mot où il disait, na hapo nimeshika neno moja ambalo alikuwa akisema, le changement sur le moi, mabadiliko juu yangu, c'est un choix. Ni uchaguzi. C'est une décision. Ni maamuzi. C'est une volonté. Ni kutaka. C'est vrai que c'est un choix. Kwa kweli ni uchaguzi. C'est une volonté. Ni maamuzi. Mais cela ne veut pas que tu puisses le réussir de toi-même. Na hiyo haiseme ya kwamba uifaulu kwa pekee. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Una haja ya uwezo wa Mungu. Pour vivre ce changement. Ili upate kuishi mabadiliko haya. Tu as besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. Una haja ya kuwa na usapoti wa Roho Mtakatifu. Pour être cet homme ou cette femme. Ili uwe mtu huyu ama mke huu. Que Dieu veut pour son service. Ambaye Mungu anatamani kwa ajili ya kazi yake. C'est pourquoi ce soir. Ndio maana jioni ya leo. Nous allons parler de notre moyen. Tutazungumuzia njia nyingine. Pour nous amener dans nos réussites durables. Ili tupate kuenda katika kufaulu yetu inayodumu. Ce thème nous dit. Na jambo hili linasema. Construire notre hôtel intérieur. Kuijenga mazabau ya utu wetu wandani. Tu peux répéter avec moi. Unaweza kurudiria pamoja nami. Construire notre hôtel intérieur. Kuijenga mazabau ya ndani. Vous allez remarquer avec moi. Utaona pamoja nami. Que le monde visible ya kwamba ulimwengu usioonekana est soutenu par l'invisible. Inasapotiwa na yale yanayoonekana. Le monde visible ulimwengu inayoonekana est soutenu par le monde invisible. Inasapotiwa na hiyo dunia isioonekana. Et vous allez voir que tous les organes vitaux du corps humain na utaona viungo vyote vinavyoishi vya mwili wa mwanadamu sont cachés à l'intérieur. Vinafichwa ndani. Ils ne sont pas visibles. Havionekani. Et c'est ce qui donne la vie alors. Na ni hayo ndio inapana uzima kwa mwanadamu. Et avec l'arbre. Na l'arbre. Na muti. Ce qui donne la force à l'arbre. Ambayo napatia muti iwe na nguvu. Ce qui fait que l'arbre reste debout. Ile ambayo napatia muti upate kusimama. Ce qui nourrit l'arbre. Ile ambayo inalisha muti. Ce sont ses racines. Inakuwa ni mizizi yake. Et ses racines sont souterraines cachées. Na mizizi hiyo inafichwa chini ya udongo. Une fois que les racines commencent à être visibles. Wakati mizizi inaanza kuonekana. On se dit que cet arbre n'a plus beaucoup de vie. Nasema muti huu hauna tena maisha marefu. Et c'est pareil avec notre réussite. Na hiyo hiyo inafananishwa na kufaulu kwetu. Pour réussir dans notre vie. Ili tupate kufaulu ndani ya maisha yetu. Nous avons besoin. Tuna haja. De bâtir. Ya kujenga. Ce temple intérieur. Hiyo hekalu ya ndani. Cet hôtel intérieur. Hiyo mazabau ya ndani. Qui n'est pas les cérémonies que nous pouvons faire en ces lieux. Haiko tamasha ambazo tunaweza kutenda mahali hapa. Ça ne dépend pas de
du lieu où tu peux venir adorer ton Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire dans Romains 12. Le verset premier. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Un corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice saint. Kama vile zabihu iliyo takatifu. Un sacrifice agréable à Dieu. Zabihu iliyo kubaliwa na Mungu. C'est là qui est un culte qui est raisonnable. Na hapo ndipo ibada ambayo imekubaliwa. Amen. Amina. Nous allons faire la lecture dans la parole de Dieu. Tutakuwa na usomi katika neno la Bwana. Nous allons faire trois lectures. Tutakuwa na usomi tatu. Dans Genèse 12, le verset 7 à 8. Mwanzo sura 12, mustari wa 7 hadi wa 8. Et nous serons aussi dans 2 Rois 4, na wafalme wa pili sura ine, les versets 8 à 11. Mustari wake wa munane, mpaka wa kumi na moja. Nous allons lire aussi dans Hébreux 9, tutasoma pia kwa kitabu kia wa Hebrania sura kenda, les versets 1 à 4. Mustari wake wa kwanza hadi wa ine. Puis nous allons sauter au 11e au 14e verset. Tutaenda tena kwa mustari wa kumi na moja, mpaka wa kumi na ine. Lisons d'abord dans Genèse. Tusome katika kitabu kia mwanzo. Genèse 12, le verset 7 à 8. Mwanzo sura 12, mustari wa 7 hadi wa 8. Je disais Genèse 12. Mwanzo sura 12, le verset 7 à 8. Mustari wake wa 7 hadi wa 8. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était à Paris. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, et à Bethel à l'occident, et Aï à l'orient. Il bâtit là encore un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Ici nous voyons comment Abraham a bâti un autel pour l'Éternel. Hapo tunaona namna gani Ibrahimu alimujengea Bwana mazabahu. Pas seulement une fois. Haikuwa tu mara moja. Mais nous voyons que quand il a remarqué. Lakini tunaona wakati alipogundua. Que l'Éternel était en ces lieux. Ya kwamba Bwana alikuwa mahali hapo. On dit il a encore bâti un autre hôtel. Wanatuambia akajenga mazabahu nyingine. Et il a invoqué le nom de l'Éternel. Na kaliita jina la Bwana. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Na kaliita jina la Bwana. Lisons maintenant dans Hébreux. Tusome katika kitabu kia wa Hebrania. Hébreux 9. Wa Hebrania sura 9. Le verset 1 au verset 4, la Bible nous dit ceci. Mustari wake wa kwanza hadi wa 4, Biblia nasema hivi. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint. Étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Le verset 11 nous dit ceci. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'était pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des bouquets de veaux, mais avec son propre sang, et obtenir rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même et sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes en fait que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous allons demander à notre sœur de nous lire 2 Rois 4, les versets 8 à 11. Wafalme wa pili sura 4,
Mstari wake wa 8 hadi wa 11 nasema hivi. Na ilikuwa siku moja Elisha alikwenda Sunemu na kule alikuwa mwanamke mmoja mkubwa naye akamshurutisha aje kula chakula. Na ilikuwa kila mara alipopita njia ile aliingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mume wake, tazama mimi ninaona ya kuwa mtu huyu anayepita kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ninakuomba tumufanyie chumba kidogo juu ya ukuta na ndani yake tumuwekee kitanda na meza na chupa kidogo juu ya ukuta. Na ndani yake tumuwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa. Na itakuwa wakati anapokuja kwetu ataingia kule. Na ilikuwa siku moja alifika kule akaingia katika chumba kile akalala. Amina. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous visons à travers le thème de ce soir? Wapendwa katika Bwana, nini ambao tunafuatia katika usomi huu? Nous voulons mener une vie chrétienne qui est vraie devant notre Dieu. Tunatamani kuishi maisha ya Ukristo ambayo inakuwa ya kweli. Sortir de la vie mécanique. Kutoka katika maisha ya kupiganisha. Nous voulons mettre Dieu au centre de notre vie. Tunatamani tumutie Mungu awe wa kwanza ndani ya maisha yetu. Que Dieu soit notre priorité. Mungu ndiye akuwe wa muhimu kwetu. Si vous lisez dans Exode 33. Kama ukisoma katika kitabu ya Kutoka. J'aime ce passage que notre papa nous a toujours lu. Hiyo ni usomi ambao baba yetu anatusomea zaidi. Exode 33 le verset 13. J'aimerais que nous puissions lire ça. Kutoka sura 33 mstari wake wa 13. Exode 33 Kutoka sura 33 le verset 13 et le verset 17. Mstari wake wa 13 hadi wa 17. La Bible est en train de nous dire ceci. Ça c'est Moïse. Huyo ni Musa anasema. Le verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Amen. C'est ça bâtir l'autel intérieur. Ni hiyo ndio kujenga mazabahu ya ndani. L'intimité avec Dieu. Mawasiliano ya kipekee pamoja notre na Mungu. Notre secret d'intimité avec notre Dieu. Hiyo siri ya mawasiliano ya kipekee pamoja na Mungu. Nous voyons la vie de Moïse. Tunaona katika maisha ya Musa. Il avait déjà trouvé grâce auprès de Dieu. Alikuwa amepata neema mbele ya Bwana. Mais il rentre encore auprès de Dieu. Lakini anarudi tena mbele ya Bwana. Comme la Bible nous dit, ils avaient l'habitude de parler avec Dieu comme à un ami. Kama vile Biblia nasema alikuwa na kila wakati akizungumza na Mungu kama si vile rafiki. Si vous faites la lecture dans Exode 33. Katika kitabu hiki kia Kutoka sura 33. Vous allez voir comment Moïse parlait avec son ami qui était Dieu. Utaona namna gani Musa alikuwa akizungumza na rafiki yake ambaye alikuwa Mungu. Il avait déjà gagné le cœur de Dieu. Alikuwa amepata tayari moyo wa Mungu. Et finalement Dieu va dire. Na kwa mwisho Mungu akasema. Je ferai ce que tu me demandes. Nitatenda yale ambayo unaniomba. Que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Mungu akupatie yale ambayo unamuomba. Parce que tu as noué l'amitié avec Dieu. Akuje kufanya mawasiliano pamoja na Mungu. Toujours ici présent au temple. Tokea tulipoanza mkutano huu Mungu anakuwa mahali hapa. Tu es assis dans ce programme. Mungu anakuwa mahali hapa. Comme Dieu avait parlé à Moïse. Kama vile Mungu alivyozungumza na Musa. Il te donne ce que tu es en train de lui demander. Akampatia yale ambayo anataka. Il ouvre les portes devant de toi. Afungule milango mbele yako. Il puisse arroser tous ces lieux qui étaient sèches dans sa vie. Amimine maji juu ya yale ambayo alikuwa yamekanyauka ndani ya maisha yako. Nous voulons avoir un secret dans l'intimité avec Tunatamani Dieu. Tuwe na siri katika mawasiliano yetu na Mungu. C'est très important notre bien-aimé dans le Seigneur. Ni ya muhimu mpendwa katika Bwana. Quittons une vie de légèreté. Tutoke katika maisha ya uraisi. Mais entrons dans l'intimité avec Dieu. Na tuingie katika maisha ya mawasiliano ya kipekee na Mungu. Et cela demande que nous puissions développer un cœur de qualité. Na hiyo inabidi tuwe na moyo unayokuwa un cœur bien disposé pour l'œuvre de Dieu. Moyo ambao unakuwa tayari kwa kazi ya Bwana. L'autel c'est quoi?
Mazabau ni nini? L'autel, c'est le point de connexion. Mazabau inakuwa ni nafasi ya mawasiliano. Le point de connexion du divin avec l'humain. Nafasi ya mawasiliano ya Mungu pamoja na mwanadamu. Comme nous avons dit dans Genèse 12. Kama vile tumesoma katika kitabu kia Mwanzo sura 12. Nous avons vu comment Abraham avait noué la relation avec Dieu. Tumeona namna gani ya Ibrahimu aliunda mawasiliano pamoja na Mungu. Il a créé un point de rencontre. Alitia nafasi ya kukutana na Mungu. Et si vous allez dans Genèse 28. Na kama ukienda kusoma Mwanzo sura 28. Le verset 16 à 17. Mstari wa 16 hadi 17. Vous allez remarquer que utaona ya kwamba cet hôtel n'a pas seulement profité à Abraham. Hiyo mazabao haikufaidika tu juu ya Ibrahim. Parce que son petit fils était en problème, Jacob. Wakati Yakobo mjukuu wake alipokuwa kati ya shida. Il va se reposer à un lieu. Akaenda kupumzika mahali fulani. Et il va voir une vision. Na akaona maono. De l'échelle. Ya mungazi. Et quand vous lisez ce passage de Genèse 28. Na wakati unaposoma usomi wa Mwanzo sura 28. Quand Jacob va s'éveiller, wakati Yakobo alipoamka, il va dire, akasema, l'Éternel est enseigné et moi je ne savais pas. Mungu anakuwa mahali hapa na mimi sikujua. C'était à Bethel. Ilikuwa ni hapo Bethel. L'endroit où son grand-père mahali ambapo babu wake invoqué le nom de l'Éternel. Aliita jina la Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Quand il dresse un hôtel pour Dieu, wakati unapojenga madhabahu kwa Bwana, cela va profiter même à tes générations. Hiyo itafaidika hata kwa kizazi chako. Cela ne va pas s'arrêter à toi. Haitaishia kwako pekee. Dieu a dit, kama vile Mungu alivyosema, je vous donne ma vie. Na wapa uzima. Et je fais de vous des sources de vie. Na ninawapa nyinyi mkuwe chemchemu ya uzima. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher pendant ce temps de tournant décisif. Na ni haya ambao tunakuwa tukitafuta katika mpango huu wa mabadiliko. Nous voulons réussir d'une façon durable. Tunatamani tufaulu kwa namna ya kudumu. D'une façon générationnelle. Kwa namna ya kizazi kiote. Ce que Dieu va faire de nous. Yale ambao Bwana atafanya nasi. Ce que Dieu va nous donner. Yale ambao Mungu atatupatia. Ne va pas s'arrêter à nous. Haitaishia kwa tu pekee. Mais ça va profiter à des générations et des générations. Kwa vizazi na vizazi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Je unaweza kushangilia Dieu va te donner un mariage. Ambao atakupatia ndoa. Une bénédiction pour plusieurs. Dieu va te donner un ministère qui va bénir beaucoup de gens. Dieu va te donner de l'argent pour que tu sois une bénédiction. Amen. Amen. Cependant, ni wakati, il y a le niveau de contact avec notre unakuwa Dieu. Namna ya mawasiliano pamoja na Mungu. Notre niveau de réussite namna yetu ya kufaulu dépend aussi de notre niveau de contact. Inatokana na gisi ya mawasiliano yetu de na notre Mungu. Niveau d'établissement de Dieu en nous. Namna gisi tunavyowakilisha Mungu ndani yetu. C'est pourquoi nous allons parler de trois. Ndio maana tutazungumzia trois niveaux. Namna tatu. Cela est comparé aux trois niveaux qui étaient dans le tabernacle. Ambazo tutalinganisha na ngazi tatu ambazo zilikuwa katika. Nous allons seulement les citer, les énumérer. Na tutazisema tu. Il y a le premier niveau qui est le niveau de parvis. Kulikuwa ngazi la kwanza ambayo ilikuwa nafasi ya kutana. Nous savons que le tabernacle avait trois parties. Tunajua hekalu ilikuwa na nafasi tatu. Il y avait cette partie qui était externe qui s'appelait parvis. Kulikuwa nafasi hiyo ambayo ilikuwa na mahali pa kukutana. Et cette partie là c'est la partie, c'est le lieu de purification. Na nafasi hii ilikuwa nafasi ya kujitakasa. Tout le monde y allait. Kila mtu alikuwa akiingia hapo. C'est le lieu où il y avait du bruit. Ni hapo kulikuwa fujo. Les gens qui venaient vendre leurs bêtes. Watu ambao walikuja kuuzisha mifugo yao. Les gens qui venaient se purifier. Watu ambao walikuja kujitakasa. C'est là le premier niveau de notre vie chrétienne. Hiyo ni ngazi ya kwanza ya maisha yetu ya Ukristo. Et ce niveau, c'est le niveau charnel. Na ngazi hii inakuwa ni hali ya kimwili. Le niveau élémentaire. Hali ya kwanza. Il y a de ceux-là qui sont encore à ce niveau élémentaire. Kunakuwa wale ambao wanakuwa katika hali hii ya kwanza. Nous disons que c'est d'abord un pas. Tunasema hiyo ni hatua ya kwanza. Mais Dieu t'appelle à entrer dans les lieux très très saints. Lakini Bwana anakungoja uingie mahali patakatifu. À ce niveau, na ngazi hii, nous voyons ces chrétiens. Tunaona wa Kristo hawa. Chaque fois ils sont là pour se repentir. Ambao kila mara wanakuwa hapo kwa kujitakasa. Et revenir au même péché. Na wanarudia dhambi hiyo. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la vie chrétienne qui est charnelle. Ndio maana tunazungumzia maisha ya Ukristo ambayo inalingana na kimwili. Tu vois quelqu'un? Utaona mtu. Il va s'approcher de l'homme de Dieu. Ambaye anafika mbele ya mtu wa Mungu. Asemu shetani ametuiba zamu. Le diable m'a envolé, m'a volé toute mon attention. Il a volé mon attention. Le diable, shetani aliniiba zamu. L'homme de Dieu va prier pour lui.
Il va se relever. Après un certain temps, on ne le voit plus à l'église. Et tu vas demander, frère, tu es parti où? Oh, je suis dans les séculiers. Pendant qu'on le voit à l'ombre de l'amour. Et une fois le contrat va prendre fin, il va s'approcher encore de l'homme de Dieu. Priez pour moi. Ça, c'est le niveau élémentaire. Hiyo ni ngazi ya kwanza. Ukristo wa kifafa. Ce sont des chrétiens qui se relèvent aujourd'hui et tombent demain. Tu te relèves chaque fois et tu tombes. Tu te relèves. Dieu veut nous voir dans les lieux très saints. Mungu anatamani atukutane katika kiwango kia pahali patakatifu. Dieu veut nous voir là où il est. Mungu anatamani atuone mahali alipo. Le deuxième niveau, ngazi la pili, c'est le niveau du lieu saint. Inakuwa ni ngazi la patakatifu. Qui est comparé à notre âme. Ambayo inafananishwa na nafsi yetu. Et dans ce lieu, le lieu saint, il y avait le pain qui était chaud, pain chaud, et le chandelier. Cela montre que notre âme a besoin toujours d'être renouvelée par la parole de Dieu. Mais à ce niveau, on n'est pas encore dans les lieux très très saints. Parce que l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu était dans les lieux très très saints. Au niveau du lieu saint, il y a encore le voile. Il y a encore le voile. C'est pourquoi Dieu nous appelle à avancer. Avancer dans les lieux très très saints. C'est là où il y a l'arche de l'alliance. C'est là où il y a les vases. Les vases de parfum. C'est là où il y a le mystère du temple. Tu veux vivre le mystère du temple. Tu veux vivre le mystère de ce tournant décisif. Entre dans les lieux très saints. Ne t'arrête pas au parvis. Ne te contente pas du lieu saint. Ne te dis pas que moi je suis déjà ouvrier. Moi je suis en train de jeûner. C'est bien tout ce que tu es en train de faire. Mais Dieu ne te demande d'aller à un autre niveau qui est très important. C'est le lieu très très saint. Nous allons parler de quelques vérités par rapport à l'autel. Kulingana na mazabao. La première vérité, ukweli wa kwanza, nous allons parler de trois caractères. Tutazungumuzia hali tatu, qui donnent l'essence à l'autel. Ambayo inaleta usamani kwa mazabao. Les trois caractères. Hali tatu. Le premier caractère, hali ya kwanza, c'est le caractère prioritaire. Inakuwa ni hali ya muhimu. Pour que l'autel puisse avoir des sens. Ili mazabao ipate kuwa na il faut que Dieu soit ta priorité. Comme nous l'avons vu avec Moïse. Nous avons constaté que Moïse faisait de Dieu sa priorité. Il avait trouvé une fois grâce devant Dieu. Et il a encore cherché Dieu pour trouver encore davantage. Le deuxième caractère, hali ya pili, c'est le sacré. Inakuwa ni hiyo kujitolea. Le sacré. Ni vitu vitakatifu. La sainteté. Utakatifu. La pureté. Kujitakasa. Et notre Dieu est en train de nous dire dans Romains 12. Na Mungu wetu yuko anatuambia katika kitabu kya Warumi sura 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Muitoe miili yenu kama vile zabihu iliyo hai. Un sacrifice qui est pur. Zabihu ambayo imetakaswa. Et c'est ton corps. Na hiyo ni mwili wako. Tu es la réserve de Dieu. Iko ndani ya mipango ya Mungu. Ce qui est sacré est respectable. Yale ambayo imetakasika inakuwa ya kuheshimika. Ce qui est sacré est honoré. Yale ambayo imetakasika inakuwa na heshima. Et ta vie est réservée. Na maisha yako yanatiwa kando. Tu es une réserve pour l'adoration de Dieu. Unatiwa kando kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tu es une réserve de Dieu. Unatiwa kando kwa ajili ya Bwana. Tu peux m'aider à dire à la personne qui est à côté de toi. Unaweza kunisaidia kumwambia mtu ambaye anakuwa pembeni yako. Tu lui dis tu es une réserve de Dieu. Umwambie yeye anawekwa kando kwa ajili ya Bwana. Ton ministère est une réserve de Dieu. Huduma yako inaweka kando kwa ajili ya Bwana. Ton foyer c'est une réserve de Dieu. Nyumba yako
unakuwa kando kwa ajili ya Bwana. Tu n'es pas n'importe qui. Hauko haulinganishwa na yeyote. Tu es mis à part pour que tu sois sa réserve. Umewekwa pembeni ili upate kuwa hazina ya Bwana. Domaine réservé pour l'adoration. Hazina ambayo imewekwa kwa ajili ya kuleta sifa ya Bwana. Le troisième caractère. Hali ya tatu. C'est le prix à payer. Inakuwa ni bei ya kulipa. Et nous voyons l'autel de Golgotha. Na tunaona hapo mazabau ya Golgotha. Jésus s'est donné en entièreté. Yesu alijipana yeye wote. Il n'a pas donné une partie. Hakupana kipande kimoja. C'est pourquoi il a dit prenez mon corps. Ndio maana alisema pokea mwili wangu. Prenez mon sang. Mpokee damu yangu. Il s'est donné corps, âme et esprit. Alijitoa roho, mwili na nafsi. Et cela on dit que son sacrifice était pur. Na hapo ndipo wanasema sadaka yake ilikuwa yenye kutakaswa. Ce sacrifice était aussi perpétuel. Sadaka yake ilikuwa ya milele. Je ne me donne pas seulement au Seigneur pendant que je serai vieux. Sitajitoa tu kwa Bwana wakati nitakapokuwa mzee. Il y a de ces gens là qui se disent je vais servir Dieu quand je serai vieux. Hata watu hao ambao wanasema mimi nitajitoa kwa Bwana wakati nitakapokuwa mzee. La parole de Dieu est en train de nous dire. Lakini neno la Bwana linatuambia. Jésus s'est donné à perpétuité. Yesu alijitoa kwa milele. Amen. Amen. L'autre vérité, ukweli mwingine, l'autel c'est un souvenir. Mazabau inakuwa ni ukumbusho. L'autel c'est un souvenir. Mazabau ni ukumbusho. Vous allez vous souvenir du roi Ézéchias. Tutakumbuka mfalme Ézéchias. Pendant qu'on venait lui annoncer sa mort. Wakati walipokuja mtangazia kifo chake. Il a demandé à Dieu de se souvenir. Akamwambia Bwana ukumbuke. Et vous allez voir même avec Tabitha. Na utaona hata na Tabitha. Dans Actes des Apôtres. Katika matendo ya mitume. Quand cette veuve était morte. Wakati mjane huu alipokufa. Les veuves ne brandissaient que les habits. Wajane walikuwa wakionyesha manguo ambao walikuwa wakiwapatia. Le récit que tu donnes pour les offrandes. Hiyo sadaka ambayo natoa. Peut-être tu as une alliance avec Dieu. Inawezekana unakuwa na agano pamoja na Mungu. Peut-être que tu donnes des offrandes ou bien des actions de grâce ici à l'église. Inawezekana unatoa sadaka zako za shukrani. Ce sont des colonnes dans la maison de Dieu. Hiyo inakuwa ni nguzo katika nyumba ya Bwana. Tu peux t'appuyer seulement sur ces colonnes. Unaweza ukasegemea hiyo misingi. Tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Bwana kumbuka. Bientôt nous allons bâtir le temple. Sasa hivi tutajenga hekalu. Décide-toi de faire quelque chose. Kwa kweli huko unafanya kitu fulani. Sur lequel tu vas chaque fois te tenir comme souvenir. Hapo utakuwa ukijitia kama vile ukumbusho. Amen. Amina. Les hôtels sont aussi des combats. Mazabau inakuwa pia ni vita. Quand on parle des hôtels, on parle de combats spirituels. Wakati tunapozungumzia mazabau, tunazungumzia vita vya kiroho. Et nous savons que ce monde est géré par les spirituels. Na tunajua ya kwamba ulimwengu huu unaongozwa na mambo ya kiroho. Et seront victorieux. Na watakuwa washindi. Tous ceux-là qui vont monter dans la dimension de l'esprit. Wale wote ambao watapanda katika ngazi ya kiroho. Nous voyons les dimanches, chaque dimanche ici à Goma. Tunaona kila siku ya Jumapili hapa katika mji wetu. Il y a des sportifs qui sillonnent la ville. Kunakuwa wale ambao wanakimbia ndani ya mji. Vous allez voir quelqu'un sur les ronds-points. Utaona mtu katika masanganjia. Il est en train de faire le pompage. Iko anafanya mazoezi. Ne vous en faites pas. Il y a de ceux-là qui sont dans leur culte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons monter dans la dimension spirituelle. Nous sommes en train d'énumérer rapidement. Il y a aussi les hôtels qui sont les portes. Les hôtels sont les portes d'entrée des divinités. Chaque réalité de la vie est une réalité. Kila ukweli wa maisha inakuwa ni ukweli. Chaque réalité de la vie est une porte. Kila ukweli wa maisha inakuwa ni mulango. Les jours, ce sont des portes. Mizigo inakuwa ni milango. Les jours. Asubuhi, siku inakuwa ni milango. Les temps sont des portes. Nyakati inakuwa ni milango. Les débuts des années sont des portes. Mwanzo wa mwaka inakuwa ni mulango. Tu entres dans une nouvelle maison, nous a parlé, ce sont des portes. Unaingia katika nyumba mpya inakuwa ni mulango. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sisi kama vile wa Kristo tutafanya nini? De nous lever, de prendre possession de toutes ces portes. Tutasimama na kuchukua milango hizi. C'est pourquoi David est en train de dire. Ndio maana Daudi iko nasema. Je défends l'aurore. Ninatangulia asubuhi. Et les gens du monde des ténèbres savent ça. Na watu wa ulimwengu wa giza wanajua hii. Ils savent que les jours ont des portes. Wanajua ya kwamba siku inakuwa ni milango. À 0 heures, ils sont déjà mobilisés. Katikati ya usiku wanajikusanya. Pour posséder. Ili wapate kuchukua nafasi. Pour maudire les jours. Ili wapate kulaani siku. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, na sisi kama vile watoto wa Mungu, nous devons nous lever. Inabidi nous tusimame. Devons monter dans la dimension du spirituel. Tusimame katika kiwango ya kiroho. Les mois commencent.
Les mois commencent. Mwezi unaanza. Prends possession. Chukua mwezi huu. Commence à prendre possession de tous les jours de ce mois. Miliki msiku zote za mwezi huu. Tu commences la semaine. Unaanza juma. Prends possession. Miliki déclare des choses. Sema mambo. Parce qu'il y a des gens qui, qui nous devancent. Kwa kuwa kuna watu ambao wametutangulia. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre les devants. Inabidi tuchukue nafasi ya kwanza. Prenons les devants bien-aimés dans le Seigneur. Tuchukue nafasi ya kwanza wapendwa katika Nous avons l'autorité avec notre Dieu. Tunakuwa na uwezo pamoja na Mungu wetu. L'autel suprême qui est au-dessus de tous les autels. Hekalu kubwa ambayo inakuwa juu ya hekalu C'est l'autel de Golgotha. Ni hiyo mazabau ya Alors Golgotha. Nous sommes appelés à nous connecter à cet autel. Pour vaincre tous les hôtels que les ennemis nous dirigent. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'hôtel de Golgotha? L'hôtel le plus puissant. L'hôtel qui a vaincu l'ennemi à la croix. Amen. Alors comment bâtir notre hôtel? Nous allons lire dans Exode 26. Le verset 30. Exode 26, le verset 30. La Bible est en train de me dire ceci. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Hapo ni Mungu ndiye anazungumza na Musa. Tu dresseras le tabernacle. Utajenga hema. Selon le modèle de la montagne. Kama vile alama ya mlimani. Quel était ce modèle de la montagne? Alama hii ya mlima ilikuwa ni nini? C'est le modèle qui nous rapproche de Dieu. Mfano hii inatu C'est le tabernacle qui avait les trois parties. Ni hema ambayo ilikuwa na nafasi tatu. Et l'idéal de Dieu. Na hiyo nafasi ya Mungu. L'idéal de Dieu. Hiyo mambo ya muhimu ya Mungu. C'est que tout le monde puisse entrer dans les lieux très saints. Ni kwamba kila mtu aingie mahali patakatifu. C'est pourquoi Jésus a amélioré cet hôtel. Ndio maana Yesu Kristo alileta umuhimu wa nafasi hii. Jésus a amélioré ce modèle. Yesu Kristo alitengeneza upya nafasi hii. Quand vous lisez dans Matthieu 17. Wakati tunasoma katika Mathayo sura 27. Le verset 52. On nous dit Jésus expira. Et le voile se déchira du haut en bas. Ça, c'est le mystère de la croix qui nous a introduit. Qui nous a donné accès au lieu très très saint. Pendant qu'il est souverain sacrificateur. C'était lui seul qui pouvait entrer dans ce lieu. Mais avec l'autel de la croix, nous avons le droit d'accéder au lieu très très saint. Ce n'est pas seulement la question d'une personne. Mais tu es aussi concerné. Tu es concerné bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes là. Le voile a été déchiré. Nous devons vivre le mystère du temple. Tous les contenus qui étaient dans le temple, c'est notre apanage. Cet hôtel nous fait passer du parvis au lieu très très saint. Cet hôtel nous fait passer du charnel au spirituel. Cet hôtel nous purifie aussi des œuvres mortes. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Moïse, bâtis-moi selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Tout acte que tu vas poser devant ton Dieu, tout hôtel que tu vas poser devant ton Dieu, demande-toi, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce qu'il y a le parfum dans cet acte? Est-ce que le parfum est en train de monter vers Dieu? Ou bien ça retourne vers moi. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons bâtir
Tunapaswa kujenga un cœur de qualité. Roho ambayo inakuwa ya thamani. Un cœur bien disposé. Roho ambayo inakuwa tayari. Avant de donner nos offrandes. Mbele ya kutoa sadaka zetu. Avant de bâtir nos hôtels devant Dieu. Mbele ya kujenga madhabahu zetu mbele ya Bwana. Alors quels sont les éléments pour bâtir cet hôtel? Mambo gani zitatusaidia kwa kujenga madhabahu? Nous allons parler de quatre éléments. Tutazungumzia jambo ine. Le premier élément c'est la pureté de cœur. Jambo la kwanza inakuwa ni utakaso wa moyo. Le deuxième élément c'est la confiance à Dieu. Jambo la pili inakuwa ni tumaini kwa Bwana. Le troisième élément c'est l'amour pour Dieu. Jambo la tatu inakuwa ni upendo kwa Mungu. Et enfin la conscience de mon identité. Na jambo la tatu inakuwa ni dhamiri ya utu wetu. Remarquez que la fondation, tazama hiyo misingi, c'est le modèle de la montagne. Inakuwa ni mfano wa mulima. Et les colonnes et les piliers, na misingi, ce sont les quatre éléments que nous venons inakuwa de dénombrer. Parlons rapidement de la pureté de cœur. Tuzungumuze juu ya utakaso wa moyo. Nous avons lu dans Hébreux 9. Tumesoma katika kitabu kia wa Ebrania sura kenda. Si nous pouvons retourner à ce passage. Kama tunaweza kurudiria usomi huu. Media, vous pouvez nous balancer ce passage. Hébreux 9, le verset 4. Wa Ebrania sura Hébreux 9, le verset 4 nous dit ceci. Ouais, renferma l'autel d'or. Ça, c'est la partie saint des saints. Renferma l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ça, ce sont les éléments qu'on trouve dans l'arche de l'alliance. La partie qui nous intéresse sur le tabernacle, c'est la partie intérieure. Et ce sont ces éléments-là qu'on trouve dans la partie intérieure. Il y a des grands éléments dans cette partie. Les vases de parfum et l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance n'était pas vide. Les éléments qu'on nous décrit là-bas, ce sont les éléments que l'arche contenait. Et ce sont ces éléments qui constituent le mystère du temple. Et la Bible est en train de nous dire dans 2 Corinthiens 2, wa Korinto wa pili sura mbili, les versets 14 à 18. Mustari wa 14 hadi wa 18. Nous sommes pour Dieu un parfum de bonne odeur. Tunakuwa manukato ya harufu nzuri mbele ya Bwana. Nous sommes pour Dieu un parfum. Tunakuwa kwa ajili ya Bwana manukato. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nini ndio Bwana anangojelea kwetu? Dieu veut que nous puissions répandre son parfum dans ce monde. Mungu anatamani tupate kuleta manukato yake ndani ya ulimwengu. Alors pour répandre ce parfum, qu'est-ce qu'il faut faire? Na ili tulete manukato haya kwenye ulimwengu, nini tutafanya? Kitu cha kwanza, il faut faire de Dieu notre compagnie. Inabidi tumfanye Mungu awe miongoni mwetu, rafiki yetu. Faire de Dieu notre compagnie. Tufanye Mungu awe rafiki wetu wa karibu. Faire de Dieu notre priorité. Tufanye Mungu akuwe alama yetu ya kwanza. Faire de Dieu notre conseiller. Tufanye Mungu awe mshauri wetu. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3 verset 18. Wa Korinto wa pili sura 3 mstari wa 18. Je suis en train de paraphraser. Niko narudiria. Nous tous qui les visages découverts, sote ambao uso wetu ni comme comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Kwenye kioni, nous sommes transformés. Tumebadilishwa à la même image. Kwa hiyo alama, de gloire à gloire ya utukufu na utukufu, par le Seigneur. Kama vile Yesu Kristo. Plus nous approchons de Dieu, zaidi tunamsogelea Mungu, plus nous allons dégager son odeur. Zaidi tunatoa manukato yake. Plus nous rapprochons de Dieu, zaidi tunakutanisha na Mungu, nous allons porter son odeur. Tutapokea manukato yake. Et nous allons répandre cette odeur là. Na tutatoa manukato haya. C'est là notre mission. Hiyo ndiyo kazi yetu. Que les gens puissent sentir à nous l'odeur de Christ. Watu waweze kusikia ndani yetu harufu ya Kristo. Que les gens sentent dans ton foyer l'odeur de Christ. Watu wasikie ndani ya nyumba wako harufu ya Kristo. Que les gens sentent dans ton ministère l'odeur de Christ. Watu wasikie katika huduma yako harufu ya Kristo. Quelle l'odeur que tu dégages? Harufu gani unatoa? Quelle est l'odeur que tu dégages, ma soeur? Harufu gani unatoa? Quelle est l'odeur que ton ministère dégage? Harufu gani huduma yako inatoa? Nous sommes appelés à dégager l'odeur de la vie. Tunaalikwa kutoa harufu ya uzima. Et non l'odeur de la mort. Dunia imefariki.
et non l'odeur de la mort. Hapana harufu ya mauti. C'est pourquoi psaume 1er, le verset 3. Zaburi sura ya kwanza mstari wake wa 3. La Bible est en train de nous dire. Biblia inasema. Sont heureux. Wanakuwa wenye heri. Ceux qui trouvent le plaisir dans la loi de l'Éternel. Wale ambao wanapata furaha yao katika sheria ya Bwana. Quand tu cherches le plaisir dans la loi de l'Éternel. Wakati unatafuta furaha yako katika sheria ya Bwana. Le résultat. Matukio. Tu vas réussir. Utafaulu. Tes affaires seront arrêtées. Kazi zako zitafaulu. Tu ne vas pas vivre la sécheresse. Hautaishi ukiwa. Tu vas porter des fruits à ta saison. Utatoa matunda kwa wakati wake. C'est pourquoi Dieu est en train de nous demander. Mungu iko natuomba. De chercher compagnie auprès de lui. Tout à fait, ou rafiki le meilleur yake. Conseiller bien-aimé. Mushauri wa kweli. C'est la loi de l'Éternel. Ni sheria ya Bwana. Aujourd'hui, le monde vit dans les ténèbres. Leo dunia inaishi katika giza. Le monde est dans une vitesse. Dunia inakuwa katika uharaka. Dans une compétition. Inakuwa katika kupiganisha. Je suis en train de parler du monde de nouveauté. Niko nazungumuzia dunia ya sasa. Le monde de nouveauté. Dunia ya sasa. Chaque jour, il y a de nouvelles choses. Kila siku kuna kuwa vitu. Chaque jour, il y a des évasions. Kila siku kuna kuwa tout cela, c'est le plan de l'ennemi. Iyo yote nakuwa ni mipango pour ya que nos cœurs soient tournés vers le plaisir. Ili ya kwamba roho zetu zipate kugeukia tamaa. Et le monde a une mauvaise définition du terme bonheur. Na dunia inaleta mafasirio mabaya juu ya heri. Le monde pense que le bonheur est attaché au matériel. Dunia inafikiria ya kwamba uheri unalingana na vitu. Direction. Ndiyo maana. Il ne sait pas où aller chercher le bonheur. Haujue namna gani utaenda wapi utaenda kutafuta uheri. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Le vrai modèle. Mfano mzuri. Notre mode en tant qu'enfant de Dieu. Sisi kama vile watoto wa Mungu. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Bwana. C'est pourquoi nous en tant qu'enfant de Dieu. Ndiyo maana sisi kama vile watoto wa Mungu. Nous avons une nouveauté. Tunakuwa na kila siku upya. Je vois nous avec les femmes. Ninaona sisi katika kikundi cha wanawake. Les modèles changent chaque jour. Kila siku tunakuwa na mabadiliko ya mavazi. Tu vas chez le couturier. Unaenda kwa mshonaji wa nguo. On va te présenter beaucoup de modèles. Anakuonesha namna nyingi ya kujenga nguo. Quand tu essaies de choisir un modèle. Na wakati unachagua mfano moja. Ça c'est dépassé. Anakuambia hii imepita. On dit que ça c'est déjà passé. Hii imepita tayari. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous en tant qu'enfants de Dieu. Sisi kama watoto wa Mungu. Nous devons vivre le modèle qui se trouve dans Romains 12 et le verset 2. J'aimerais qu'on puisse nous balancer ce passage. C'est notre modèle en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Notre modèle, c'est la transformation. Notre modèle, c'est le discernement. Notre modèle, c'est chercher la volonté de Dieu. Mfano wetu ni kutafuta mapenzi ya Bwana. Quand tu vas marcher dans la transformation. Wakati utakapotembea katika kubadilishwa. Et le renouvellement de ton intelligence. Na kuwa na akili mpya. Tu seras toujours. Utakuwa kila siku. Dans les lieux très très saints. Ndani ya pahali patakatifu. Ton cœur restera toujours attaché à Dieu. Moyo wako utaambatana kila siku na Mungu. Tous les fruits que le monde nous présente n'a pas de vie. Yale yote ambayo ulimwengu natuonesha kama vile matunda. Tout ce que le monde nous présente n'a pas de vie. Yote ulimwengu natuonesha haya uzima. C'est pourquoi dans le jardin d'Eden. Ndiyo maana katika shamba la Eden. Il y avait beaucoup d'arbres de fruits. Kulikuwa miti mingi ya matunda. Mais il y avait qu'un seul. Lakini kulikuwa tu moja. Qui avait la vie. Ambayo ilikuwa na uzima. Et cet arbre de vie. Na hiyo muti ya uzima. Trouvé au milieu du jardin. Katikati avance au milieu du jardin. Sogea katikati ya bustani. Avance dans la présence sogea de Dieu. Kwa uwepo wa Bwana. C'est là où qu'il y a la vie. Ni hapo ndipo kuna kwa uzima. C'est là qu'il y a la vie. Ni hapo ndipo c'est là qu'il y a le bonheur. Ni hapo ndipo kuna c'est là qu'il y a la réussite. Ni hapo ndipo kuna kwa une réussite qui est durable. Ufaulu ambayo inayokuwa na misingi. Comment dégager le bon odeur. Namna gani utatoa harufu iliyo njema. On nous a parlé de comment briser ce qui est charnel. Wametuzungumzia namna gani ya kubomoa yale ambayo yanakuwa ya kimwili. Briser cet emballage. Kuvunja hiyo ambayo inafunika. Cet emballage nous embête beaucoup. Hiyo ambayo inafunika inatusumbua. Le monde n'a pas besoin de l'emballage. Dunia haina haja ya yale ambayo inafunika. Il y a cette femme que la Bible nous dit. Kuna kwa mwanamke huyo ambaye Biblia inatuambia. Dans Marc 14 le verset 3. Matendo ya Mitume sura 14 mstari wa 3. Dit que cette dame avait brisé toute la bouteille. Biblia inasema mwanamke huyo akapasua chupa lote. Il n'avait pas seulement levé la couvercle. Hakutosha tu mfuniko. Mais elle avait brisé. Akabomoa. Et toute la maison était remplie de l'odeur na du parfum. Ikajaa harufu ya manukato. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Si tu n'acceptes pas d'être brisé. Haut.
Si tu n'acceptes pas d'être brisé, tu ne vas pas répandre l'odeur de Christ. Accepte d'être brisé. Cet emballage, c'est un produit qui est périssable. Nous, comme nous avons appris à l'école dans le commerce, les produits qu'on tient, il y a les produits consommables et les produits non consommables. Et les non consommables sont placés dans les produits périssables. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Job 34, la partie 15, la parole de Dieu, si on peut nous balancer, toute chair périra. Kila nafsi itaharibika. L'homme rentrera dans la poussière. Mwanadamu atarudi kwa udongo. Toute chair périra. Mwili wote utapo, et l'homme rentrera dans la poussière. Na mwanadamu atarudi kwenye udongo. Et vous allez remarquer avec moi. Na utaona pamoja nami. C'est sur l'emballage qu'il y a les étiquettes. Ni kwa juu ya ubao huu ambako kuna kwa miandiko. C'est sur l'emballage qu'on place les poids. Ni kwa ubao huu ambako wanatia c'est kilo. Sur l'emballage qu'on met les indications, la composition. Ni kwa ubao huu ambapo wanaandika ambavyo vinahusu ndani ya chombo. Est-ce que le monde a besoin de consommer tout ça? Je, ulimwengu una haja ya kukula le vitu hivi vyote? Le monde a besoin de contenir bien aimé. Ulimwengu unatamani. C'est pourquoi si tu investis dans le périssable, tu es en train de perdre ton temps. Unakuwa ukipoteza muda wako. N'investis pas le périssable dans ton ministère. Usiweke vinavyoharibika ndani ya huduma yako. N'investis pas le périssable dans ta jeunesse. Usiweke vinavyoharibika katika ujana wako. N'investis pas le périssable dans tout ce que tu es en train de faire. Usiweke vinavyoharibika ndani ya vyote unavyovifanya. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire. Ndio Biblia iko nasema. Au dernier jour. Kwa siku za mwisho. Jésus dira à plusieurs. Yesu atawaambia wengi. Je n'étais pas connu. Sikukujua. Tu risques d'être refusé. Unaweza kukataliwa. Tu peux dire à la personne qui est à côté de unaweza toi. Kumwambia mtu aliye pembeni yako. N'investis pas dans les périssables. Usiweke katika vitu vinavyoharibika. C'est pourquoi Paul est en train de nous dire. Ndio maana Paul yuko natuambia. De travailler pour la couronne incorruptible. Kutumika juu ya hiyo taji isiyoharibika. Tout ce qui est de la chair. Vyote vilivyo vya mwili. Ça périra. Vitapotea. Alors nous pouvons dire, ajouter à ce que les amis ont dit. Kwa hiyo tunaweza kuongeza kwa yale ambayo marafiki walisema. Qu'est-ce que nous pouvons vaincre? Qu'est-ce qui nous empêche? Nini ambao natuzuia? Ce qui nous empêche de répandre l'odeur de Christ. Ile ambao natuzuia tusitoe manukato. Il y a l'hôtel de Babel. Kuna kuwa munara wa Babel. L'esprit de Babel. Kuna kuwa roho ya Babel. Bien aimé l'esprit de Babel. Roho ya Babel. C'est l'esprit qui a fait que beaucoup ne savent pas répandre l'odeur de Christ. Inakuwa ni roho ambao inafanya wengi wasitoe manukato ya Christ. Puisqu'on travaille pour se faire un nom. Wanatumika kwa ajili on ya travaille wale. Pour être connu. Unatumika ili upate kuonekana. On travaille pour se chercher les gens. Unatumika ili ujikusanyie watu. C'est un esprit qui est dangereux. Inakuwa ni roho ambayo inakuwa mbaya. Qui combat notre pureté. Ambayo inapiganisha utakatifu wetu. Il y a une autre mentalité. Unakuwa hali ingine. Une autre mentalité à combattre. Unakuwa hali ingine ya kupiganisha. C'est la mentalité de Babel. Ni hali ya Babeli. Est-ce que c'est la mentalité de Caïn? Inakuwa ni hali ya Kaini. Au-delà de l'irritation de Caïn, kwa hiyo kasirani, juu ya kasirani ya Kaini, nous voyons que Caïn c'était quelqu'un qui était désobéissant. Tunaona Kaini alikuwa ni mtu asiyekuwa na utii. Dieu s'était approché de Caïn. Mungu akamsogelea Kaini. Pour lui donner des mises en garde. Ili apate kumuonesha yale ambayo hawezi kutenda. Mais Caïn n'avait pas obéi à ces mises en garde. Lakini Kaini hakutii hiyo. Bien aimé dans le Seigneur. Upendwa katika Bwana. Caïn a vécu une vie d'errance. Caïn aliishi maisha ya kutangatanga. Pour n'avoir pas obéi au précepte de Dieu. Kwa ajili ya kutokutii maagizo ya Mungu. N'accepte pas de mener une vie d'errance. Usikubali kuishi maisha ya kuhangaika. Une vie sans direction. Maisha isiyokuwa na mtazamo. C'est le refus d'appliquer les lois de l'Éternel. Hiyo ni kukataa kutii sheria za Bwana. On est en train de nous parler. Wako wanatuzungumzia. On est en train de nous enseigner. Wako wanatufunza. Qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements? Nini tunafanya na mafundisho haya? Ne soyons pas des Caïn. Tusiwe wa Caïn. Peut-être on parle de Caïn quand on parle de l'irritation. Wakati wanapozungumza juu ya Caïn tunazungumzia mipaka. On parle de la tuerie. Tunazungumzia mauaji. Mais l'esprit de Caïn aussi c'est le refus d'appliquer la parole de na Dieu. Na roho ya Caïn inakuwa ni hiyo roho ya kukataa kutimiza maneno ya Mungu. Amen. Amina. Nous avons parlé de, nous avons dit que nous avons quatre éléments pour bâtir. Tumesema tunakuwa na jambo ine kwa ajili ya kujenga. Bâtir notre hôtel intérieur. Kujenga mazabahu yetu ya ndani. Le deuxième élément c'est la confiance à Dieu. Jambo ya pili inakuwa ni tumaini kwa Bwana. La confiance de Dieu qui est symbolisée
par les éléments. Inaonekana katika maneno. Les éléments qui se trouvent dans l'arche de l'alliance. Maneno ambayo yanapatikana katika sanduku la agano. Pourquoi avoir confiance à Dieu? Kwa nini tutie tumaini yetu kwa Mungu? Pourquoi avoir confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Kwa nini tumtegemee Mungu wapendwa katika Bwana? David pouvait dire dans Psaume 23. Daudi angeweza kusema katika Zaburi sura 23. Psaume 23. Zaburi 23. David est en train de nous dire. Daudi kona tuambia. Il n'a pas peur. Hana oga. Quand bien même il va marcher dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre et de la mort. Hata kama akipita kwenye kivuli kia mauti. David avait cette assurance. Daudi alikuwa na hiyo uhakikisho. Il avait cette force intérieure. Alikuwa na hiyo nguvu ya ndani. Parce qu'il croyait la présence de Dieu. Kwa kuwa alitumainia uwepo wa Mungu. Je pense qu'il avait aussi la révélation de contenu de la présence de Dieu. Ninafikiria alikuwa na ufunuo ya yale ambayo yanakuwa uwepo wa Mungu. Quand Dieu se présente dans ta vie, wakati Mungu anaonekana ndani ya maisha yako, il ne vient pas seul. Hakuji mwenyewe. Il vient avec son arsenal de sa puissance. Anakuja na uwezo wake wote. Il vient avec toute sa richesse. Anakuja na utajiri wake wote. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne. Katika sanduku la agano kulikuwa manne. C'est la provision céleste. Hiyo inakuwa ni akiba ya mbinguni. Bien-aimé, les choses t'ont résisté dans ta vie. Upendwa, vitu vimeshindikana katika maisha yako. Dieu va t'envoyer la manne dans ce programme. Mungu atakutumia manne katika mpango huu. Il y a la manne pour toi. Il y a un chemin qui sera frayé, qui ne dépendra pas d'une personne. Un chemin sera frayé dans les déserts. Et cela ne dépendra pas de la main d'une personne. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les tables de la loi. Vibao vya agano. C'est la puissance de Dieu. Hiyo ni uwezo wa c'est la parole de Dieu. Hiyo ni neno la Bwana. Dieu marche derrière sa parole. Mungu anatembea nyuma ya neno lake. Dans ce temple de l'alliance, katika sanduku la agano, il y avait la verge d'Aaron. Kulikuwa muti wa Aruni. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Muti wa Aruni uliochipuka. La verge d'Aaron qui avait porté des fruits. Muti wa Aruni uliobeba matunda. Bien-aimé dans le Seigneur, upendwa katika Bwana. Tu es venu dans la présence de Dieu. Ulikuja katika uwepo wa Mungu. Tu ne vas pas quitter tel que tu es venu. Hautarudia kama vile ulivyokuja. Tu n'es pas un arbre sec. Hautakuwa muti uliokauka. Hauko muti ya kukauka. Hauko muti uliokauka. Tu vas fleurir. Utazaa matunda. Tu vas porter des fruits. Yote likauka ndani ya maisha yako. Itafurika. Puisque tu es dans la présence de Dieu. Là où il y a la vie. Et la vie en abondance. Na maisha ya milele. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la stérilité. Ndani ya uwepo wa Mungu hakuna. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la mort. Ndani ya uwepo wa Mungu hakuna mauti. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Ndani ya uwepo wa Mungu kuna uzima. Et la vie en abondance. Na uzima wa milele. Laisse tout ce qui était mort dans ta vie. Yale yote ambayo yamekufa katika maisha yako. Que ça puisse la vie. Que ça puisse ressusciter. Que tout ce que l'ennemi a volé. Yale yote ambayo adui aliiba. Que Dieu te restaure ça. Mungu ayakurudishie. La Bible nous parle de cette femme de Biblia inatuzungumzia mwanamke huyu wa hali iliyo njema. Dans 2 rois 4. Katika kitabu kia wafalme wa pili sura ile. Il avait bâti un hôtel dans sa maison. Alijenga mazabau ndani ya nyumba yake. Pendant qu'elle n'avait pas d'enfant. Wakati alipokuwa hana mtoto. À cause de cet hôtel. Kwa ajili ya mazabau hii. La vie est entrée dans sa maison. Maisha ikaingia ndani ya nyumba yake. La fécondité est entrée dans sa maison. Uzazi ukaingia ndani ya nyumba yake. La résurrection est entrée dans sa maison. Uzima ukaingia ndani ya nyumba yake. La restauration est entrée dans sa maison. À cause de cet hôtel. Kwa ajili ya hiyo mazabau. Bien aimé dans le Seigneur. Upendwa katika Bwana. Et un point de contact avec ton Dieu. Jenga mahali ya kukutana pamoja na Mungu. Un point de contact avec ton Dieu. Kuwa na nafasi ya kukutana pamoja na Mungu. La Bible nous parle de ces centeniers qui étaient malades. Biblia inatuzungumzia akida huyu aliyekuwa mgonjwa. Et tout le monde pouvait plaider pour sa cause. Na kila mtu angeliweza kusema juu ya hali yake. Et c'est lui qui avait construit ces synagogues. Akasema ni yeye ndiye aliyejenga hekalu. Il ne méritait pas de mourir. Hastahili. Bien-aimé, tu ne mérites pas de mourir. Mupendo, ustahili kufa. À cause de l'hôtel que tu as bâti. Mazabau cet hôtel doit plaider pour ta vie. Hotel cet hôtel doit plaider pour ta cause. Hiyo mazabau itakutetea. L'hôtel parle. Mazabau inatutetea. L'hôtel parle. Mazabau inatutetea. Elle parle plus haut que les autres hôtels. Na inatutetea juu sana kuliko vyote. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendo katika Bwana. Est-ce que tu as connexion avec ce Dieu? Je, unakuwa na mawasiliano pamoja na Mungu. Qu'est-ce qui peut plaider pour ta cause? Nini ambayo inaweza kutetea hali yako? Crée un point de connexion avec Jenga Dieu. Mahali ya kukutana pamoja na un Mungu. Un autre point.
C'est l'amour pour Dieu et pour son royaume. C'est notre élément. Élément important pour bâtir notre connexion avec Dieu. La Bible est en train de nous parler dans Jean 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler de trois niveaux de relation avec notre Dieu. Le premier niveau, c'est le niveau des serviteurs. Les serviteurs. Le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Selon la parole. Le serviteur, c'est un mercenaire. Le serviteur, c'est celui qui réclame le salaire. Le serviteur peut se révolter. Il peut faire la grève. Il dit, aujourd'hui, tu ne m'as pas payé, je ne viens pas au service. Le serviteur n'est pas prêt à payer les prix. Et plusieurs sont encore au niveau des serviteurs. Dieu, je suis en train de te servir. Je suis en train de passer des nuits à l'église. Tu ne m'as pas payé. Tu ne m'as pas répondu. Je vais abandonner ton œuvre. Tu es encore au niveau des serviteurs. Et c'est le niveau élémentaire où on est au parvis. C'est vraiment impossible de vivre le mystère du temple. Quand tu es encore au niveau du parvis, quand tu es mercenaire, tu ne vivras jamais le mystère du temple. Tu ne vivras jamais la vie en abondance. Hautaishi uzima na uzima tele. Et le deuxième niveau, na ngazi la pili, ce sont les amis. Inakuwa ni marafiki. Les amis marafiki accèdent déjà à l'information. Wanakuwa na habari. Ils connaissent ce que fait le maître. Wanajua yale ambao bwana wao wanafanya. Mais l'ami, lakini rafiki, il peut être éloigné de son maître. Anaweza kuenda kuzungumza juu ya mungu. On peut avoir un ami qui est aux États-Unis. Unaweza kuwa na rafiki ambaye anakuwa Marekani. Pendant qu'on est en train d'échanger. Unakuwa mkizungumza. C'est vrai, il peut payer les prix pour toi. Kweli, anaweza kulipa bei kwa ajili yako. Il peut te faire des cadeaux. Anaweza kupatia mais zawadi. Il est encore loin. Lakini anakuwa mbali. Il y a de ceux-là. Kunakuwa watu qui sont déjà à ce niveau d'amitié. Ambao wanakuwa katika kiwango kiki ya urafiki. Mais il y a une partie. Lakini kunakuwa nafasi. Qui sont encore propres à eux. Ambao zinakuwa za kipekee. Et à ce niveau-là, na kwa ngazi hii, il y a encore le voile. Kunakuwa bazia. C'est le niveau du lieu saint. Hii inakuwa ni nafasi ya patakatifu. Tu n'es pas encore dans le lieu très saint. Haujaingia mahali patakatifu pa patakatifu. Dieu te demande d'aller encore en profondeur. Mungu anatualika pour arriver au troisième niveau. Ili tupate kufikia kwa ngazi ya tatu. C'est le niveau de l'épouse. Inakuwa ni nafasi ya mke. C'est pourquoi la Bible nous dit, ils ne seront plus une seule chair. Mais ils seront une seule chair. C'est là où Dieu nous attend. Nous devons arriver au niveau de l'épouse. Il est notre époux. Il faut que nous puissions être l'épouse de l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Kanisa, et Dieu veut que nous puissions être ses épouses. Mungu anapenda tuwe wake hao. Que nous puissions arriver à ce niveau d'intimité profonde. Tufikie kwa ngazi hii ya mawasiliano ya kimwili. Comme la relation qui était entre Ruth et Naomi. Hiyo mawasiliano ambayo ilikuwa katika Ruth na Naomi. Ruth pouvait dire à Naomi. Ambapo Ruth angeweza kumwambia Naomi. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ton pays sera mon pays. Nchi yako itakuwa nchi yangu. Ta nation sera ma nation. Taifa lako itakuwa taifa langu. Facilement, on peut payer les prix sans se lamenter. Na hapo unaweza kulipa bei bila kutoa. Ici il n'y a pas de murmure. Hapo hakuna kunungunika. C'est mon mari. Inakuwa ni mume wangu. Ici il n'y a pas de plainte. Hapo hakuna kulalamika. C'est mon mari. Ni mume wangu. On peut même accepter d'entrer en prison à cause de son mari. Unaweza kukubali kuingia gerezani kwa ajili ya mpendwa wako.
Quitte le niveau de serviteur bien-aimé. Avance avec ton Dieu. Tu ne verras pas les mystères du temple avec ce niveau-là élémentaire. Dieu nous appelle à entrer encore. Avance encore dans les eaux profondes. Amen. Et le quatrième point, le dernier, c'est la conscience de notre identité. La conscience de notre identité. Quand nous parlons de la conscience de notre identité, nous sommes en train de parler du témoignage du Saint-Esprit. Témoignage du Saint-Esprit. N'est-ce pas que c'est le Saint-Esprit qui nous témoigne? Il nous témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. Et quand on marche avec cette conscience, ça nous donne la force de tenir ferme devant l'Éternel. Quand bien même on peut avoir des épreuves dans la vie, quand il y a cette lumière intérieure à nous, nous allons rester fermes dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de la police pour t'engager dans l'œuvre de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de la police pour mener une vie de sainteté. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour plaire aux gens, parce que tu as la conscience de ton identité. Je sais que je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi Joseph pouvait dire: comment ferais-je un si grand mal contre mon Dieu? Pendant qu'il n'y avait pas de police derrière Joseph, il y avait cette lumière au-dedans de lui. Et c'est cette lumière qui peut faire que nous puissions crier Abba Père. C'est cette lumière qui peut faire qu'on puisse s'approcher avec assurance. La conscience est pure. Roigo safi. Moyo ulio safi. Tu ne te reproches de rien. Hauji hukumu kwa kitu fulani. Et quand tu vas t'approcher dans la présence de Dieu, na wakati unaweza kufika katika uwepo wa Mungu, c'est avec assurance. Unakuwa na hakikisho. Unasema Mungu. Tu dis Seigneur. Baba. Mon père. Je suis là papa. Niko hapa baba. À cause de quoi? Kwa ajili ya nini? J'ai l'assurance. Ninakuwa na uhakikisho. De mon identité. Ya utu wangu. Je sais que je suis la fille. Ninajua kwamba mimi ni grand roi. Sana wa mfano. Amen. Amen. Et l'autre force de notre identité, ça se trouve dans Galates 4, le verset 1. C'est la grandeur de notre esprit. La Bible nous dit que l'esclave, Biblia nasema mutumwa, l'héritier reste esclave. Muriti anakuwa mutumwa. Aussi longtemps qu'il est enfant. Kila wakati anapokuwa mtoto. Quand même il est héritier. Hata kama yeye ndiye muriti. Et qu'il n'a pas la conscience. Na hana hiyo zamiri. Du richesse de la maison de son père. Ya mali ya baba yake. De son identité d'héritier. Na hiyo hali yake ya muriti. Il reste esclave. Anabaki mutumwa. J'aime l'attitude de cette femme Sunamite. Ninafurahia hali ya mwanamke huyu Sunamite. Elle avait une grandeur d'esprit. Alikuwa na ukubwa wa moyo. Quand l'homme de Dieu pouvait approcher cette femme, wakati mtu wa Mungu angeweza mkaribia mke huyu, l'homme de Dieu dit à Gehazi, mtu wa Mungu akamwambia Gehazi, demande à cette femme qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Ambia huyu mwanamke nini tunaweza kumtendea. J'aime cette femme. Napenda mwanamke huyu. Et je veux que cet esprit soit l'esprit que de toutes nos filles. Napenda roho hii ipate kuwa roho ya kila mmoja wetu. Cette femme n'était pas intimidée par des propos. Huyu mwanamke hakushitushwa na maneno ya mtume. Cette femme n'était pas plus rapide de montrer toutes les requêtes qu'elle avait. Huyu mwanamke hakukuwa tayari kuonesha hitaji zote alizokuwa nazo. Cette femme ne pouvait pas montrer sa demander la pitié devant des gens. Huyo mwanamke hangeliweza kulomba huruma ya watu. Il avait la grandeur d'esprit. Alikuwa na ukubwa wa moyo. Jeune fille. Wa binti. Et la grandeur d'esprit. Muwe na ukubwa wa moyo. Ça va te faire respecter. Itakupatia uheshimike. Tu n'es pas obligé de montrer ta misère devant tout le monde. Haushurutishwa kuonesha umaskini wako kwa watu wote. J'ai vu au milieu de mes peuples. Huyu mwanamke angesema ninaishi kati ya watu wangu. Quand elle traversait des moments difficiles. Hata kama alikuwa akipitia wakati ngumu.
Elle avait l'assurance. Alikuwa na tumaini. Parce que dans sa maison, il y avait un hôtel. Kwa maana ndani ya nyumba yake kulikuwa madhabahu. Il y avait un lit. Kulikuwa kitanda. Où Dieu se sentait à l'aise. Et ambapo Mungu angejisikia. Et quand l'enfant était mort. Na wakati mtoto alipokufa. Il n'avait même pas parlé à son mari. Hakumwambia hata mume wake. Il n'avait parlé à personne. Hakuambia mtu. Parce qu'il savait. Kwa kuwa alikuwa anajua. La vie. Ya kwamba uzima. La résurrection. Ufufuko. Se trouvait dans sa maison. Inakuwa ndani ya nyumba yake. C'est pourquoi ne pouvait pas parler. Ndio maana hangeweza kusema. Wakati mume wake alimuuliza. Est-ce que tout va bien? Je, mambo yote yanaendeka vizuri. Tout va bien. Mambo yote yanaendeka vizuri. J'ai mon secret dans ma maison. Ninakuwa na siri ndani ya nyumba yangu. Un hôtel dans ma maison. Unakuwa mazabau ndani ya nyumba yangu. Dieu se trouve dans ma maison. Mungu anakuwa ndani ya nyumba yangu. Il était stable. Na alikuwa na uhakikisho. Bien-aimés dans le Seigneur, upendwa katika Bwana, nous pouvons conclure en disant ceci. Tunaweza kumaliza tukisema hivi. Le désir de notre Dieu, haja yetu ya Mungu, le désir ardent de notre Dieu, haja ya Mungu wetu, c'est de mener sa vie au milieu de nous. Ni kwamba akuwe na maisha yake miongoni mwetu. Il dit, ils me feront un sanctuaire. Anasema watanijengea mazabahu. Et j'habiterai au milieu d'eux. Na nitakaa miongoni mwao. Que ta vie soit un sanctuaire pour maisha Dieu. Yako iwe mazabahu ya Bwana. Quand tu vas donner la place pour wakati Dieu. Wakati utakapopatia Mungu nafasi. Quand tu vas faire de Dieu ta priorité. Wakati utamfanya Mungu awe mtu wako wa muhimu. Quand tu vas bâtir un cœur de qualité. Wakati utajenga moyo ulio safi. Un cœur bien disposé pour moyo Dieu. Moyo ambao unakuwa tayari kwa Bwana. Tu vas vivre la vie. Utapata uzima. Tu vas vivre la résurrection. Tu ne seras pas confus. Hauta changanyikiwa. Dieu va te témoigner. Mungu atakushuhudia. Et tu seras un signe dans sa maison. Na utakuwa alama ndani ya nyumba yake. Puisque si les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Kwa maana kama muti wa Aaron ulichipuka. C'était pour ôter toute contestation de son sacerdoce. Ilikuwa kuondoa yale mapinganisho yote. Je ne sais pas quelle est l'opposition que tu es en train de vivre. Sijue nini ambayo inapingana nawe. Je ne sais pas quelle adversité tu es en train de vivre. Sijue upinganishi gani unakuwa ukiishi. Reste dans ta maison. Baki ndani ya nyumba yako ambayo inakuwa nyumba ya Bwana. Bwana atakushuhudia. Dieu va te témoigner. Bwana atakushuhudia mpendwa. Amen. Amina. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Fais de ça ta prière, bien-aimée. Dis, Seigneur, je veux être encore plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Demande à Dieu. J'ai besoin de ta pluie. Viens arroser tout ce qui est séché dans ma vie. C'est toi qui connais ce qui est séché dans ta vie. Je ne sais pas quelle stérilité que tu es en train de vivre. Même si c'est la stérilité physique. Même si c'est la stérilité dans les séculiers. Demande à Dieu d'arroser tous les lieux arides de ta vie. Près de toi.
que nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous venons dessus.